La tentation du romancier, c'est d'ajouter dans l'entourage de Jésus un personnage de plus, un personnage de femme. Cette femme qui a pétri le pain pour lui, le pain qu'il a partagé avec les douze le soir de Pessah. C'est le personnage oublié par excellence. Si le pain a cette importance dans le rituel, dans le rituel juif, mais dans le rituel chrétien, cette religion qui est à naître, il fallait bien qu'on s'intéresse à la personne qui avait fait le pain. Et cette personne, c'est une femme. C'est incontestable. Les spécialistes sont convaincus qu'au moment de la Pâque, les femmes dans chaque maison produisaient le pain. Donc, c'est ce personnage féminin que je sors des oubliettes d'une certaine façon.